Ok les gars, il est l'heure. Il est l'heure pour moi de passer à l'action, mesdames et messieurs. Comme promis, comme dû, comme peu promis, comme dû, moldu, c'est ça? Qualité de l'air conditionné, c'est quoi ça? Faut jouer avec une manette? À tous les coups, faut jouer avec une manette. Ah non. Oh bien, bien, très bien. Nya 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 nya. La touche est assignée à quoi? Je vais choisir une touche qui n'a pas été déjà utilisée. Alors? Il est où le cul? Ah il est là. Mais si j'ai envie de les swapper, t'es con ou quoi toi? Putain. Allez, prends ça. Ok. Chat, chat. Si je me chie dessus, c'est de votre faute, ok? Visage est difficile. Patience, minutieuse recherche et bonne gestion de ressources seront vos meilleurs alliés. Bonne chance. Gestion de ressources? Gestion de ressources? Je peux pas jouer à Crab Game, les gars. Raison technique. Je peux pas jouer à Crab Game. C'est raison technique. Moins 18 de stream? Vraiment? Putain. C'est bon, il est en moins 18. Je vais activer les alertes aussi, putain. Je peux mettre pause? Non, je vais sauter la cinématique, c'est ma spécialité ça. Ah, vous m'avez défoncé les gars. Merci, hein. Merci pour tout les gars, merci pour tous les subs. Vous m'avez défoncé. Putain, s'il parle là, je suis en train de désactiver les alertes! Ça parle ou pas là? Putain, mais vous avez fait un deuxième high train, bande de fous, merci les gars. Non, ça tire! Oh, ils sont plusieurs. 3, rappelez-vous de tout hein les gars, rappelez-vous de tout. Ils sont 3. Du coup, est-ce que tu peux juste nous dire oui ou non si Zerator est venu te parler en privé? On t'aime mon frérot. Non, toi tu vas alimenter du drama, inutile. OK, ils sont 2. Il y a un bébé là, j'entends un bébé. Putain, je suis désolé les gars, je suis en train de désactiver les alertes. Mute alerte, tiens. Ah là il s'est tué, donc là ça fait 4 personnes. Donc il s'est tué, hein, d'accord? 4 personnes. Mais j'ai entendu un bébé les gars, ah, fait chier, j'ai pas entendu. Et si j'ai pas entendu... Et là, je me réveille en enfer, c'est ça? C'est ça le leak? Regardez bien, le Easter Egg Gamer. Des bougies peuvent être placées par là. Salle de progression. Ces salles contiennent des objets représentant vos progressions dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons, dont à la fin du chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression.
Sans mettre un besantoir, il n'y a rien dessus. J'aime pas trop beaucoup ce jeu, les gars. Je n'aime. Je peux me mettre la FOV avant de vomir mes tripes ou pas? Je peux changer la FOV avant de vomir les tripes? Classique, non, tu peux pas. Capteur BPM, ça sert à rien, j'ai pas peur. Je suis pas un mec drôle, les gars. Oh non, il est dans ma valise. J'ai pas déballé ma valise, le capteur BPM est dans ma valise. Tiens, je vais chercher le capteur BPM. J'arrive pour 2 secondes. C'est bon. Par contre, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, les gars. Mauvaise nouvelle. Faut que je réinstalle cette appli. Oh putain. Faut que je réinstalle l'appli, les gars. Oh putain, oh putain. J'ai trop peur, les gars. Oh putain, j'ai si peur. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un... Quoi? Il y a eu un bruit? Quoi? Il y a eu un bruit, les gars? Quoi? Linkez-moi le clip. Linkez-moi le clip. Linkez-moi le clip. Il y a eu un bruit. Des bougies peuvent être placées ici. Ça lag ce jeu. Il lag! Le jeu lag! Oh putain, j'ai peur. Là, là, là. Comment je lâche la canette? Lâche ça! Je suis un escape gamer, les gars. Moi, je réponds pas au téléphone parce que je vais pas trigger l'événement. Notez, il est 3h35. Moi, je suis un escape gamer, les gars. Monte le son. Tu veux que je monte le son?
Santé mentale. La santé mentale de votre personnage affectera le gameplay. Entre autres choses, rester trop longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage. La santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône de cerveau en bas à gauche de l'écran. Si vous voyez le cerveau très nettement, la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse. Et des événements dangereux surviendront. L'icône du nuage rouge apparaît lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante. Et la santé mentale de votre personnage diminuera. L'icône de nuage rouge. Ça veut dire que là, ils viennent de me dire qu'il y allait avoir un... Oh, le bâtard. Là, il va y avoir un trigger. Ils sont cons. Va y avoir un trigger. Événements paranormaux. Les événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Apprenez à les identifier car ils entravent vos progressions et réduisent considérablement votre santé mentale. La santé mentale de votre personnage affecte également le nombre d'événements paranormaux. Coucou. Oh putain de merde! Casse-toi de là! T'es bête ou quoi? Sors de là! Tab, ouvrir l'inventaire. Il existe deux types d'objets, les objets dynamiques et les objets clés. Les objets dynamiques sont placés quand c'est possible dans votre inventaire dynamique. Vous pouvez généralement vous en débarrasser. Les objets clés sont essentiels pour la progression. Bah, ramasse que Claude. Prendre cet objet lancera le chapitre. Vous ne pourrez pas commencer d'autres chapitres. Ah non. Moi je récolte les easter eggs. Pour continuer. Je peux sprinter? Quel boss, vous entendez les achievements? Achievement, motherfuckers! Ah, c'est comme ça, donc j'interagis. Prendre cet objet-là lancera un chapitre. Quoi? J'ai peur. Faut que j'aille répondre au téléphone, j'ai toujours pas trigger cet événement. Ça se trouve, je suis trop fort. Je suis beaucoup trop fort. Looking for the garage key. Elle est probablement dans le pocket de la jean de la laundry room. Dans la poche du jean de la laundry room. Putain, merde de téléphone. Interagir. Hello Dwayne, it's Rose, your neighbor. I know it's late. Je peux pas bouger? I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. Y'a un petit con qui s'amuse à éteindre les lumières. Bon, vas-y, je lance la game. Tu veux les sous-titres? Ah ouais, parce que vous comprenez rien, c'est vrai. Global, sous-titres, oui. Français, c'est bon. Visible, appliqué, c'est bon. Bon, en gros, la grand-mère, elle disait, ouais, il faut que tu m'appelles de temps en temps parce que je suis un peu solo. Hashtag ad. Voilà. C'est quoi? Il faut que j'observe? Putain, je vois que dalle. Oh, le bâtard. Il y avait un couloir et tout. Oh, le bâtard.
J'aime pas trop beaucoup ça. Rasoir, des gélules. Interagir. Y a rien? Y a rien, mais qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Oh, ramasser. Comprimer. Les comprimés vous aident à rester sain d'esprit. Ils sont essentiels à votre survie lorsque votre santé mentale est dangereuse ou basse. C'est le seul moyen d'en trouver. Je peux ramasser? Gauche ramasser, droit ramasser. Ah, je peux le tenir dans une seule main en fait. Ah, en fait, chaque clic, c'est une main en fait. Déplace ta cam qu'on puisse voir ta santé mentale. Mais t'es bête ou quoi? Y a rien là. Tu es bête? Ouh. Putain, mec, il va se passer un truc ici. Va se passer un truc ici. Va se passer un truc. Grand-mère! Surprise! Vous avez entendu? Cache l'overlay du train qui tourne au fond, putain. Ah! Merde! Merde! Oh! J'ai des gélules! Vous ne me toucherez pas! J'ai des gélules! Oh, comment je t'ai entendu, toi! Oh, comment je t'ai entendu, toi! Les gars, ce jeu, il a l'air de me faire trop flipper, j'en peux plus. J'en ai marre, j'en ai marre. J'ai le droit de veto? J'ai le droit de veto, le gars, le jeu il a l'air trop badant là. J'ai envie de veto, j'ai envie de veto. J'ai trop peur, maman. J'ai trouvé une clé, quel boss? Symbole d'électrique. Je trouve une clé, les gars. Je suis un patron. Prendre cet objet lancera le chapitre. Mais frérot, j'ai pas envie de lancer un chapitre. Je vais mourir. Oh le bâtard. Ça, c'est la chambre. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Eh hey, connard, tu m'avais flippé! Ah, il m'a fait trop flipper ce bâtard. Non, c'était il y a 3 heures là, sans sub. Hein? Là, c'est sûr, il y a un truc qui va pop. Easter egg gamer. Alors, ça a quoi? Je trouvais un truc. Je suis tellement Easter egg gamer. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard.
Attends, mais je vais les récupérer les trucs ou pas là? Briquet sert de petite source lumineuse pour explorer la maison et il dure un peu de temps. Mets tes pilules dans ton inventaire, comment je fais? Il y avait écrit quoi? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Changer de main. Je peux pas les mettre dans l'inventaire! Putain! Vous êtes vraiment des mythos, les gars! J'en peux plus là! Fallait juste double-cliquer comme un connard. Il y a eu un truc surnaturel qui s'est passé, mais je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé, les gars. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai vraiment pas mal de gélules. Et ils sont dans la merde. Ça, c'est une bougie, ça. Les bougies sont des sources lumineuses fixes pouvant être allumées et un briquet. C'est passé à la main. Une bougie allumée l'éteindra. Elle dure longtemps et améliore la santé mentale de votre personnage. Mais putain, mais... Mec, c'est si complexe, là! Allô? Comment je fais? Non, les subs, c'était à 3h, les gars. Bon, qu'est-ce que je fais, là? Je la mets où, la bougie? Là? J'ai pris le briquet, frérot. Vas-y, j'enchaîne un chapitre. La clé du miroir attachée. Qu'est-ce qui se passe? Chapitre de Dolores, un rêve retors. Quel est mon objectif? Mais je sais quel est mon objectif. Pas moyen d'ouvrir. Mais je ne connais pas mon objectif. Peut-être que c'est par là. Trouve un miroir. C'est là. Une clé, petit miroir. Une clé avec un petit miroir attaché. Bah je l'ai là, que Claude. Oh, j'ai gagné. Non? Oh, ça y est, je suis un boss. Poussez-vous, moi, d'abord. Qu'est-ce que c'est que cette maison bizarre, là? Qu'est-ce que c'est que cette maison bizarre, là? Hein? Donc là, il faut que je mette une bougie ici, ça? C'est ça, hein. Ça y est, j'ai gagné.
En fait, j'ai l'impression que je sais ce qui va se passer. La maison va partir en couille de plus en plus, les gars, et c'est pas bon pour moi. Et c'est pas bon pour moi. Là, comme ça? Allô? Putain, qu'est-ce que c'est compliqué là? Qu'est-ce que c'est compliqué, frérot, je comprends rien! Mec! Si seulement il s'était moins bête! Oh, je suis trop. Oh, je suis bête. Pourquoi je suis bête, les gars? Je suis bête. Attends, mais c'est juste un passage que j'ai ouvert là? Ça me dégoûte. J'ai débloqué un passage. J'ai peut-être fini le chapitre. Oh, j'ai déjà fini le jeu. Putain. Par contre, qui c'est qui m'avait dit que ça durait genre 6 heures là? J'ai l'impression que ça a duré genre une éternité, les gars. Au secours. Oh, bah tiens. Pas moyen d'ouvrir. Mais ouvre! Quel est mon objectif? Quel est mon objectif? Interagir. Yes. Miroir, miroir. Dis-moi qui est la plus belle. C'est moi, je sais. Oh, oui. Bon alors! Ensuite, quel est mon objectif? Donc le miroir a disparu. Je sais pas quel est mon objectif. Mais c'est quoi? Je vais lancer un autre objectif. Oh, la porte ici s'est ouverte. C'est incroyable. Il faut suivre le miroir en fait. Oh, une clé. La clé du sous-sol. Monsieur, je sais que vous êtes sous le drap, hein. Ça sert à rien de vous cacher. Je sais que vous... Ouh, vous lisez des choses un peu cheloues là, monsieur. J'aime pas trop beaucoup ça. D'accord, interagir, c'est bloqué. Surprise. Ouh, c'est un gun ça, non? Alors monsieur, c'est pas bien de boire trop de bière aussi, monsieur. Parce qu'il y a des codes ici, des codes. Ouais, je sais, là il y a un truc là-dedans, là, non? Rien. Monsieur, monsieur. Monsieur. Il faudrait y mettre une cassette. Interagir. Oh le bâtard, c'était un tour de magie. Oh, il joue avec moi! Il joue avec moi, hein! L'appareil peut lire une cassette vidéo. J'ai pas de cassette vidéo. Il y a un événement paranoïaque! Ma santé mentale m'a joué un tour. Un événement paranoïaque a joué là. Un événement paranoïaque. Une cassette là. Pas de cassette. Putain, ça me serre le cul, ça. Ok, on n'a rien ici. On allume les lumières. Il est toujours...
Ouh, oh! Vous voyez, on vit pas dans le vrai monde. Voilà, je savais. Bon, il faut que je monte là-haut, là. Comment je monte? Allez, c'est parti, on speedrun, il y en a assez. Elle a un problème, cette ampoule. Oh, une poupée easter egg. Hein? Des bougies peuvent être placées ici. Surprise! Ouh. Donc il y a une fenêtre et une chaise qui fait glou glou glou. Ok. Ici on a une énigme. Le miroir semble montrer une pièce dans la maison. Intéressant ça. Je suis donc l'inspecteur. Je sais être un inspecteur. Oh, que se passe-t-il? J'ai pénétré dans la pièce de manière tactique. J'ai beaucoup aimé cette manière tactique de rentrer. Attention, votre briquet est presque vide. Comment ça, mon briquet est presque vide? Allô? Comment j'ai un briquet? C'est inutile à présent? Non, arrête. Les gars, j'ai plus de briquet. Arrête. Bon, allez, c'est terminé pour moi. C'est terminé, les fantômes. J'ai plus de briquet, sortez-moi. J'ai ruiné, bad ending. J'ai ruiné les fantômes, fumez-moi. Je vais faire le sèche-cheveux, ça. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas un briquet qui traîne. Oh yes, une crème hydratante. Ibuprofène, ok. Bon, et ça me sert à quoi de choper ces trucs dans mes mains, frérot? Ça me sert à R. Alors, une pièce dans la maison, hein. Ouh. 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 C'est par là. Oh, la maison du gamin. La maison du gamin. Oh, trop mignon, trop chou. Putain, ça me sert. Ça me sert. Trop chou, trop chou, trop chou. John Mi. Tiens. Ferme le tiroir. Je vois plus rien, j'ai plus de torche. Bon, ce jeu commence à me faire chier. Hein. Voilà, je l'ai dit. On voit rien, je comprends rien. Je dois toucher des objets. Je passe mon temps à toucher tous les objets, frérot. Je sais pas quoi en faire. C'est très énigmatique. J'ai envie de m'asseoir sur cette chaise, limite. Ouh. Ouh. Alors lui, il va bouger quand je vais rentrer dans cette pièce, classique. Classico, quoi. Bon. Ce serait bien qu'on trouve un truc ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce de mort là? Merde, quel est mon objectif? Tu te frites, Toko. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais j'entends la chaise là. Oh le bâtard. Quelque chose de déplacé fait du bruit au grenier. Oh le bâtard. Je suis trop intelligent, putain. Je suis trop intelligent. Comment je monte dans le grenier? Peut-être par la chambre du gosse. Non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis jamais venu ici, ici. Okay. Donc j'ai clé de l'électricité, hein. Ça y est, j'ai visité toute la maison, c'est terminé, fin de jeu. Mais monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais monsieur?
Qu'est-ce que vous faites, monsieur? 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 J'ai plus de lumière, les gars, comment je fais? Donnez-moi la lumière! Ah, mec, y'a des ressources dans le jeu, ça va m'énerver. Mais monsieur, monsieur! J'ai plus de ressources! J'ai plus de lumière, j'ai plus rien, les gars! Monsieur? Clé du garage? Par ici? Oh putain, tu. Ah, mec, ah! Interagir. J'ai fini le jeu. Easter egg, fin secrète. Merci les gars pour le sub goal. Merci beaucoup. Fin secrète. J'ai une arme. Ça me permet d'ouvrir les portes, je pense. Ça me permet d'ouvrir les portes. Présentoir, il n'y a rien dessus. Ok. Bon, bizarre cette maison. Elle est bizarre. Vous êtes sûr que c'est un bon jeu, chat? Parce que je vois des messieurs, là. J'appelle la police. Ouais, vous êtes sûr? J'appelle la police. Bon allez, je vais speedrunner un petit peu. Parce que bon, il y en a assez de tout ça. Alors normalement j'utilise ça. Ça. Comme ça. Hein? Donc là je chope le truc. Là, ici, là. Quel est mon objectif? Quel est mon objectif? S'allumer, c'est pas ici. Bon. Là. Je suis incroyablement fort. Putain, c'est dingue comment je suis fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois rien dehors. Ok, on a des bougies, la chaise, une trappe. Il faut que je m'assoive. Soleil été, sont écrits sur la boîte, elle est verrouillée. Soleil été, hein, retenez. C'est une vieille chaise qui bascule. Intéressant. Il fait beau dehors. C'est un sac de moniteur pour bébé. Ok. Interagir. Oh le boss. Alors, trois tableaux. Ok. Je suis là, je speedrun, les gars. Ça y est, c'est parti.
Objets clés entreposables. Ces objets clés utilisables indéfinis des fois peuvent être entreposés dans le monde du jeu. Observez attentivement ce qui vous entoure pour découvrir où. Alors là, on a des gribouillis. J'arrive à lire 250. Il y a un code là-dedans. Là. 250. Interagir. Il y a un symbole musical sur la boîte. Elle est verrouillée. Bien sûr, elle est verrouillée, putain. Bien sûr qu'elle est verrouillée, putain. Ça me manquait quelque chose. Le deuxième chausson, peut-être. Alors ici, j'ai semi-crâne, crâne et casque de Daft Punk. Ensuite, j'ai une porte à droite qui me permet de rentrer dans cette petite pièce de merde. Et la porte est située ici, quoi. Ça qui est bizarre. Et après, le mec, il a noté des codes, là, ici, là. La cassette, je l'ai la cassette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que j'aille la lire? Ça? Rien n'indique quelle clé est nécessaire. Bon moi je suis baisé hein, je vais passer ma vie dans cette chambre. Il y a un truc avec ces tableaux j'ai l'impression. Un truc avec ces tableaux. Ça là non. L'interrupteur. Ok. Là il y a notre trou. Ok. La porte est à droite. Ok. Mais alors. Et alors. Et alors. Si je fais interrupteur, ça fait quoi? Frérot. Ah, le lecteur cassette, bien sûr. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. T'es bête? Moi, je suis bête. Feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. Et du coup t'as mis des photos glauques chez elle, c'est bien ça. What am I supposed to do? Du coup t'as mis plein de photos de zombies dans sa chambre. Et après tu t'étonnes pourquoi elle va pas bien. Genre frérot, Tu lui mets des photos de zombies, la même photo de zombies, de partout. Et après, tu t'étonnes pour qu'elle va pas bien. Là, elle a gratté, en fait. Ils l'ont enfermée là-dedans. Et elle a gratté les murs, là, en fait. Mais ça change pas la sortie de mon problème. Ça change pas mon problème. Donc, 5 numéros, hein. Cinq numéros, putain, c'est quoi, c'est quoi, j'arrive pas à lire. Bon, au secours, putain. Pourquoi je peux regarder deux fois dans le trou? Oh là, le chausson. Où j'avais pas vu ça. J'ai trouvé l'objet clé, les pieds, bien sûr. Toujours les pieds. Woodvugu? Woodvugu?
What the fuck? 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 Téléportation magique. Très très bien. Ok. What the fuck? What the fuck? Oh. Donc cette chambre est devenue la chambre principale. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses là. Il y a du sang par terre. Mais au lieu de prendre la porte, suivons le sang. Bien sûr, mesdames et messieurs. Ne soyez pas bêtes et suivez le sang, mesdames et messieurs. Suivez toujours le sang. Hein? Ne soyons pas bêtes. Eh. J'ai plus de briquet, frérot. Non, mais t'imagines? Ouh là là! Ouh là là, c'est pas très joli! C'est pas très joli! Et si j'allais dedans? Oui, oui! Oui, et si je descendais? Oui, plus bas, s'il vous plaît! Oui, oui, oui! Miam, miam! Oui, 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 un trou tient dans une prison, je vois rien, viens, on y va. Oui, 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 oui. Putain, qu'est-ce que c'est que ce débile? Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Mais vous passez à travers les barrières. Non. Oh, oh. Encore des miroirs? Mais qu'est-ce que ça veut bientôt dire tout ça? Un miroir, deux miroirs, trois miroirs, quatre, cinq, six, sept, huit. Merde, j'ai arrêté de compter, putain. Neuf, dix, onze, douze, treize. 13 ? 13 miroirs ? Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 miroirs ! Quel est mon objectif maintenant ? Très bien. Je crois que c'était là où il y avait la personne. Là où il y a la personne, tu avances dans le noir, je pense. Là, ouais, là. C'est là. Donc là, on va reculer comme ça. La strat, c'est la strat. Voilà. Faites ça dans la vraie vie, si ça vous arrive. C'est le bon miroir, les gars, je le sais. Alors, cette pièce a l'air un peu merdique. Quel est mon objectif? Attends, mais je suis baisé, là, non? C'est sûr, il y a un truc là, là. Attends, faut peut-être que je me fasse jibber, là. Voilà, comme ça. Là comme ça. Il y a bien un objectif là, non? Mais quel est mon...
Oh, madame, ne bougez plus. J'arrive. Mais comment faites-vous? Mais madame, ne bougez plus, je vais vous toucher. Oui. C'est genre un... Oh, j'ai compris. C'est un espèce de... C'est un espèce de d'énigme. En fait, c'est comme un cadenas à rond. Tu dois t'arrêter au moment où tu vois la personne. Clac. Tu vois, je m'arrête. Et là, du coup, je vais de l'autre côté. Ça, j'ai compris. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Voilà, et là on voit plus la personne. Clac. Bon, attends, j'arrive parce que tu m'as saoulé. Non, je sais pas. Bon, elle a pas l'air d'être là, cette idiote. Madame! Ne soyez pas bête, madame! Le son m'annonce quand c'est bien. Soyez pas bête! Quatre, cinq, six, sept, huit. Ok, là il y a un code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14, hein. Elle est bête ou quoi elle? Elle est bête ou quoi elle? Pourquoi elle est bête? Attends, tout à l'heure il y avait une meuf qui se pendait la gueule, donc j'avais peut-être raison. Ok, donc là je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Bon, elle me casse les couilles cette grognasse là! Oh! 2, 3, 4, 5, 5. Bon, j'ai arrêté de compter. Elle me casse les couilles. Reste devant le miroir. Un trois soleil dans le miroir. Très bien, Lidev, très bien. Bring me my child. La femme vous a demandé de lui apporter son enfant. Tout de suite, madame. Je m'y hâte tout de suite. C'est pas la peine de respirer fort, madame, comme ceci. Ouh, tiens, un miroir. Je peux rentrer dedans. Ouh, mais c'est sacrément high-tech. Ah, mais qui a osé? Mais laissez la voiture tranquille, pas les voitures. Les gars, laissez les voitures tranquilles, pas les voitures. Ok. On attaque. On attaque, on attaque.
Ouh, la veste. La veste, elle est où? Ah, interaction! La veste! Qu'est-ce que tu fais là? Oh yes, la veste. J'ai la clé, baby! Ok, je suis trop fort aux jeux vidéo, je sais. Sauf sur ma dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Putain, mais cette maison est sacrément grande. Oh, on dirait que quelqu'un voulait pas qu'on rentre ici. On dirait que quelqu'un ne voulait pas qu'on rentre quelqu'un. Sinon, quelque chose ne voulait pas qu'on sorte aussi. Oh, tiens, on va se grailler un petit truc. Je peux prendre une petite binouze. Vous voulez, hey, vous voulez une petite binouze? Oh, donc je suis de ce côté-là de la maison. Voilà, ok. Ouh, une tasse. Très bien. Un carton. Bon, 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 il y a peut-être une clé là encore, parce que bon, c'est tout ce qu'on cherche de toute façon. Je peux vraiment tout ramasser là. Allez là. Oui, les tiroirs. Non. Je crois que j'ai la clé de garage, maintenant je bouge. Ouh. Voilà mon pote. Vous avez trouvé du chocolat en poudre, miam miam. Tu te fous de ma gueule là. Miam miam. Miam miam. J'ai trouvé du chocolat en poudre. Miam miam. Putain. Objectif. Ouh, intéressant ça. Ça c'est du easter egg gaming. C'est d'abuser de la verticalité. Je trouve un objet là. Je suis trop fort. Putain. Là, là, il me faut du thé. Il y avait soleil et thé, hein, c'est ça? Oh là là, comment je suis trop fort. Donc il me faut le thé en forme de soleil là. Ça! Mais comment ça, je mange un truc énigmatique? Pour déverrouiller le petit truc là en haut là. C'est une scie. J'entends une scie. La clé, elle est dedans. Il faut que j'ouvre. Ouvre. Mec, j'en suis sûr là, je suis 5-head. La clé... Elle est dans le thé ensoleillé. Vous allez voir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle est où? Comment je fais? Tiens, je sais qu'elle est là. Comment je fais pour le trigger? Oh le bâtard. Il y a d'autres thés. Oh putain mec, c'est pas possible.
boîte rouge dessous. Oh le bâtard. Il y a écrit quoi? Kawaii Moon. Mais comment on sait ce qu'il y a écrit, frérot? Now. Squeezie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué quoi? Oh, comment je suis un pro pour ouvrir les tiroirs, frérot. Je vous assure que c'est pas évident, les gars. Je vous assure que c'est pas évident. Easter Egg Gaming. Attention, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui conduis. Attention. Voilà, on a débloqué la maison. Du coup, on va pouvoir naviguer dans toute la maison. J'ai vu quelque chose par terre, là. Ils me font peur, ces jeux, les gars. J'ai peur, là. C'est lent et c'est... ça fait peur. Ouvre-moi la porte. C'est... j'ai peur. Ouh. Là, ils ont mis des fermes-portes. Attends, il faut que j'aille au garage, là, c'est ça? Ouais, on m'appelle. On m'appelle. Alors, ça c'est quoi ça? C'est ça? Oh, ça c'est une caisse de merde ça. Oh, ça c'est une bagnole de merde. Classique. Classique. Ça c'est une bagnole de merde. Classique. Là, je vais mettre un truc ici pour le broyer. Intéressant. Intéressant, très intéressant. Oh, tu fermes ta gueule ou quoi? Oh! On essaye d'inspecter ici. Il y a quelque chose d'inhabituel qui apparaît ici. Mon cerveau me joue des tours. Le tiroir, ouvre-le. Ah non, je suis pas dans la lumière en fait. Ah, c'est quand je suis pas dans la lumière. Ouais. Interagir. Oula. Oulala, oulala, oulala. Oulala, j'entends des choses. Vas-y, t'as cette bagnole de merde. Ouais. C'est vrai que quand j'éteins une bagnole comme ça, je mets mes yeux dans la gueule de la voiture. Ouais, c'est vrai. Je mets mes yeux au contact. Tu vois, c'est pas les clés qu'on met dans le contact, c'est les yeux. Hein, mettez vos yeux dans le contact. Oui, oui. Oui. C'est bien, oui. Oui, c'est bien. Allez, tu vas y arriver. Youhou.
Oh, il est bête. Oh, il est bête. Oh non. Mais tu es si bête. J'ai pas eu le temps. Attendez, j'ai pas eu le temps de regarder dans le coin. J'ai pas eu le temps. Oh putain, ça va chier. Boum! Boum! Qui c'est qui veut jouer? J'ai une masse. Boum! Ok. Je vous entends rigoler là-haut. Oh, bonsoir madame. Je me demandais si vous avez besoin de moi. On... Attention, attention. Attention madame. J'ai une masse. Hein, pour la vieille dame, pour la vieille dame. Bam! Qu'est-ce que je veux casser avec ça moi? La rédemption du briquet. La rédemption du briquet, mesdames et messieurs. Oh, un passage secret, chat. Un passage secret, chat. Un passage secret. Clé du garage, mais j'ai la clé du garage. Oh putain, on a plein d'ampoules là. Putain, fait chier. J'ai la clé du garage, non? Faut qu'on remplace les ampoules, moi je vous le dis. Ah non, non, les... non, c'est le stock des ampoules. Et des briquets, donc il faut que je les laisse là. Eh, c'est pas bien ça de jouer avec moi. Eh oh! Putain, je vois plus l'interrupteur. Vous arrêtez ça tout de suite maintenant. Oh mec, quel gestionnaire. Quel gestionnaire. Quel gestionnaire financier, frérot. Quel gestionnaire. Quel gestionnaire. Incroyable. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a trouvé le easter egg. Aïe, aïe, aïe. La boîte est verrouillée, pas de soucis. Vas-y. Boum! Mais tu es bête! Oh non, si faible! Si faible! Pourtant, une masse si lourde. C'est, en fait, je vous le dis, ce qui manque, ça, c'est ça le problème dans ces jeux-là. C'est, tu sais, genre, ça manque de... Tu manques de puissance, quoi. Le mec manque de puissance, littéralement, quoi. Mais... Eh oh! Eh oh, eh oh! Eh oh, la porte, elle reste ouverte, j'ai dit. Eh oh, eh oh, eh oh, t'as pas honte? Eh oh! Allez, c'est bon, t'as gagné. Bim! Oh mon dieu, mec! Easter Egg Gamer! Y'a aucun mystère, en fait. Il n'y a aucun mystère avec moi. Le bébé tient une sphère, la prendre? Non. Oh
Oh putain l'enfoiré, pourquoi ils me disent de la prendre? J'ai trouvé une sphère, elle semble contenir quelque chose. Il va m'attaquer. Trigger? Et là la sphère tu la poses. Classique, classique. Madame, j'ai votre bébé. J'ai votre bébé. Il y a écrit quoi? Attends, mais j'ai le mauvais placement là. Faut la casser. Il y a un espèce de masque, on dirait, ouais, dedans. Ouais, je sais pas ce que c'est, ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ouais. Je sais pas ce que c'est. Ok, effectivement, le broyeur, oui, c'est pas bête. Donc maintenant, en fait, je vais faire des allers-retours dans cette putain de maison. Oh, ça c'est l'endroit paranormal, ok. En fait, le jeu aurait dû s'appeler miroir, pas visage. Surprise, motherfuckers! Hein?